Qui va soulever le trophée? Qui va remporter cette grande finale? Qui va sortir vainqueur de ce choc? On va le découvrir dans quelques instants. Nous y sommes, bienvenue à tous après une véritable épopée pour arriver jusqu'à cette finale. C'est enfin le match que tout le monde attendait, ce stade bondé, et nous allons vivre ensemble ce grand rendez-vous, le club rouge contre Anderlecht. C'est la finale et tu as fait venir toute ta famille en tribune. Il y a les supporters qui sont très excités, les dirigeants qui sont là, beaucoup de journalistes. C'est un moment qu'il faut savourer. Ça te rajoute des responsabilités, mais c'est un privilège d'arriver à ce niveau. C'est pas tous les jours qu'on joue une finale. Et voilà les 11 alignés pour cette équipe. Et un œil sur les 11 titulaires de cette équipe. La tête là, peut-être un centre. Le premier but dans cette finale. Voilà, c'est maintenant qui commence l'histoire de ce match. C'est le début de l'exhibition artistique. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. On voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien et me semble battu un peu trop facilement sur son premier poteau. Suite à cette intervention. Et oui, la bonne passe en profondeur. Magnifique ce contre. Stovolsen. C'est une bonne progression vers le but adverse. Excellente conservation du ballon. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Là, l'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi? L'arbitre a toujours raison. De tenter sa chance de loin, mais là c'est quand même complètement mal ajusté, c'est mal joué. Hey, l'offensive qui peut amener quelque chose là. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est bien. Duel remporté en défense, belle anticipation. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Et c'est une frappe. Un superbe réflexe du gardien.
sûr, avec ce ballon dans les 18 mètres. Oui, c'est bien fait, c'est bien défendu. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Aïe, 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 la faute, et attention, parce qu'un nouveau carton jaune, c'est synonyme d'exclusion. Et pas de deuxième carton jaune sur l'action, là, c'est plutôt clément de la part de l'arbitre. C'est bien de jouer avec le cœur, mais il faut jouer avec la tête aussi. Et c'est le moment de déclencher. Et c'est le but. Et boum. Deux buts d'avance maintenant dans cette finale. Le bon geste de moment, l'art du but, c'est l'art de l'économie du chef. Jamais plus, jamais moins. Efficacité, quoi. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Intervention pour stopper l'attaque. Il faut amener un peu de danger là. Oh, l'occasion de revenir. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Et sur ce match, sa performance est plus que décevante. Très peu d'impact sur la ligne. Toute son équipe compte sur ses performances devant le but. Mais si tu n'arrives pas à t'approcher de la surface, c'est beaucoup plus difficile d'aider ton équipe. Vertonghen. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Concentré là-dessus. Volsen. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. En très bonne position. Superbe intervention, sans faute. Mais finalement le ballon lui échappe. Voilà, le remplacement intervient. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. C'est une bonne progression dans le camp adverse.
danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est un pas. On le voit sur ces images, ce centre de part bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. La finition est réussie, même si le placement du gardien est peut-être un peu aléatoire. Se faire prendre comme ça côté fermé, c'est un peu suspect. C'est très frustrant le métier des coachs dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille? L'engagement pour la reprise de ce match et 3 buts d'avance pour le club Bruges. Jan Vertonghen. Vertonghen. Avec l'interception et le ballon est récupéré. De l'espace pour le club Bruges sur le côté. Quelque chose sur ce ballon. Le gardien s'interpose. Quel arrêt! À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Et les deux remplaçants vont donc faire leur entrée en jeu. Le ballon est centré. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Un bon arrêt du gardien. De fraîcheur avec ce remplacement. Le centre vers la surface de réparation. Et cette action s'arrête là. Et bien donné ce ballon. Et le danger se précise. Et le danger encore présent. Mais quelle parade! Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Et oui, la faute évidemment, et elle vient couper l'attaque. Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Les trois joueurs qui s'échauffent vont donc faire leur entrée en jeu. En profondeur. Et oui, but! Un but pour réduire l'écart, mais vu le chrono, ça va être compliqué quand même de revenir. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau aussi.
Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. L'arbitre revient à la faute initiale et sort un carton jaune. L'équipe se rassemble dans l'allégresse pour recevoir les médailles et bien sûr la coupe. Être vainqueur d'un tel tournoi, c'est quelque chose d'inimaginable. Surtout que dans un tournoi comme ça, tu passes par toutes les émotions contradictoires. La peur, l'angoisse, la pression, mais aussi l'explosion de joie à la fin. Effectivement, c'est un tourbillon émotionnel et ce trophée représente tellement pour ce club. Et ce qui compte maintenant, c'est de partager cette joie, cette satisfaction d'être arrivé au bout. La remise de la coupe, c'est une manière de célébrer tout ça ensemble. Et avec les remplaçants, avec les membres du staff, c'est tout le club là qui est récompensé. Ce trophée est pour eux. C'est parti, quartier libre, c'est le moment de présenter le trophée aux fans. Un grand moment pour eux aussi. Petit supporter, c'est un jour que tu rencontreras tes petits-enfants. Toute ta vie, tu l'emportes avec toi, ce souvenir. Et on l'oublie parfois, les supporters ont aussi un palmarès. Voilà une coupe en plus à mettre sur l'étagère du salon. Traditionnel, c'est l'heure de la photo pour l'éternité. C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters. À la une des journaux, elle va faire le tour du monde. Hi, just a couple of questions for you.
thank you for your time.